Inauguration de la mosquée et de l'école coranique de Sakété ce samedi 27 janvier 2024. Initiée et financée par la famille Karim, dont le ministre de l'enseignement primaire et maternel Salima Karim, soucieux du développement de leur localité, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs dignitaires religieux, de l'Union islamique du Bénin, de la fondation Malehossou, qui ont saisi cette occasion pour bénir la famille Karim et louer les mérites de leur fils Salima Karim. Le ministre Salima est un ministre qui est différent des autres ministres, ça je vous le dis. Si j'ai refusé de ne pas citer cette cérémonie dans ma ville natale, c'est son comportement. C'est quelqu'un qui ne se voit pas comme un ministre. Je suis ami de beaucoup de ministres, beaucoup même. Mais lui, il est très différent. Il est humble, très humble, effacé. Et il fait la fierté de la population de Sakété. Vous avez construit une villa au paradis pour notre cher papa. Nous vous remercions ainsi que toute la famille de Al-Hadj Abdelkarim pour tout ce que vous faites. C'est un exemple, un bon exemple. Vous avez montré que votre papa était un éducateur. Je voudrais saluer particulièrement le ministre Salima pour cette belle façon d'honorer votre papa. Vous venez ainsi de lui construire une maison au paradis, au ciel. Dieu vous bâtira aussi une maison. Alors je tiens à vous dire merci. De vouloir faire des enfants de Sakété des hommes, je dirais, complets. Le ministre, heureux d'être autant soutenu, remercie à l'entame de ses propos le président de la Fondation Malehossou pour son soutien indéfectible. Votre qualité de président d'une fondation, mais également votre qualité de musulman croyant, votre qualité de défenseur des causes justes, des causes nobles. On suit pour l'honneur que vous faites en acceptant mon invitation à assister à cette séance. Que Dieu vous le rende au but. Dans la même optique, il remercie et prie pour ses convives. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour vous exprimer la satisfaction de ce jour, constatant votre présence à nos côtés. Je voudrais implorer l'Éternel qu'il soit avec vous tout le temps et partout où vous serez. Je n'ai pas de récompense à vous offrir quant à cet honneur que vous faites à ma famille. Seul Dieu, le Tout-Puissant, pourra vous récompenser. Soulignons que cette réalisation permettra aux enfants de Sakété d'être des hommes accomplis de demain à travers les divers enseignements à la mosquée et à l'école coranique.